toute la province de Lac. Il n'y a pas une camp de Boko Haram ou bien une coigne spéciale pour le Boko Haram. Les Boko Haram, ils ont là, au-delà de nos frontières. Souvent, ils filtrent et ils font des actions et ils retournent. Mais en réalité, dans notre territoire, il n'y a pas un camp de Boko Haram. Si aujourd'hui, on est là dans notre province, on est en sécurité, c'est grâce aux nos forces de défense et de sécurité qui n'ont ménagé aucun effort pour sécuriser nos populations et leurs biens. Cette atmosphère ambiante en témoigne. Loin des clichés médiatiques macabres dont cette province fait face depuis 2015, il y a de la vie au lac Tchad. Cependant, les exactions de la secte Boko Haram ont impacté gravement les cours normaux de l'histoire de la province du lac. Depuis lors, nous assistons à un changement de comportement radical chez les jeunes lacustres, notamment ceux des zones insulaires. D'où l'extrémisme violent et le terrorisme ont gagné cette partie du pays. Certes, les raisons sont nombreuses, mais une chose est sûre, l'idéologie de cette secte basée sur des massacres de la population n'est pas la nôtre. Le problème de l'extrémisme violent, c'est un problème d'idéologie et que nous, au niveau de la province du Lac, tout comme celle de la province du Kanem, nous avons toujours envoyé nos enfants au Nigeria pour les études coraniques. Donc des milliers d'enfants partent là-bas et à la fin de leurs études, soit ils vont rester au Nigeria pour développer le commerce, soit pour développer d'autres activités. Et c'est ça, l'extrémisme violent a gagné le terrain. Aujourd'hui, mes enfants ils sont retournés contre nos pays et ça a développé l'extrémisme violent, ce qu'on appelle la secte de Boko Haram. Donc aujourd'hui, et Dieu merci, à travers les partenaires, les ONG et autres, nous avons sensibilisé toute la population de la province du Lac, ainsi que celle de la commune, surtout les jeunes et les femmes, sur le méfait de la drogue, de l'alcoolisme et surtout la radicalisation de nos enfants. Donc aujourd'hui, l'extrémisme violent est bien compris dans notre province et tout le monde, ensemble, nous sommes en train de lutter corps et âme pour que vraiment la stabilité soit pas seulement dans la province du Lac, mais dans le bassin conventionnel du G5 Sahel de notre sous-région. La province du Lac, dont la population est à majorité musulmane, fait face de nos jours à l'extrémisme violent provoqué par l'avènement de la secte Boko Haram. Secte où les idéologies sont contre les valeurs religieuses et humaines. Ad-din al-islami ma yadoul al-irhab wa la yadoul al-qatl al-nas qatl al-abriya. Fadi risalatna lil-muatinin bita al-wilaya. Al-irhab ma inda dawla wa la inda qabila wa la inda hudud wa la inda. Hiya fikra khabitha. بتدخل في المجتمعات وغالبا بتدخل في المجتمعات الضعيفة. المواطنين عرفوا عن خطورة الإرهاب للمنطقة، خطورة الإرهاب لتدمير البنى التحتية، لتدمير الاقتصاد البلد، لتدمير التنمية بتاع البلد. فلذا يعني هنا نشكر المواطنين بتاع الولاية أنه بتعاونوا مع الحكومة في القضاء على الإرهاب الدائر في المنطقة. Cette idéologie qui a gagné surtout les jeunes dans les zones insulaires du lac trouve ses raisons dans certains mots qui minent la jeunesse de cette contrée du pays.
Je vais parler de l'ignorance et du chômage. ما ليجوا في المرحلة الطفولة إعداد كامل لمرحلة شباب، فشان ده نشوف كثير من لما الإنسان يجي في مرحلة شباب ينهرف، والانحراف ده طبعا يرجع إلى أسباب كثيرة، منها حالة اجتماعية للأسرة، منها الوسط الانفيرونمنت ولا كمان السوسيال هو عايش فوق ده عنده تأثير، والشارع عنده تأثير، والعادات والتقاليد عنده تأثير، أمور كتير يأثر في حياتنا شباب، وده بس خلى كتير من شبابنا ما يفكروا في مستقبلهم، ما يفكروا في تنمية عن البلد، ما يفكروا في أمور البنفعم، ينخرف إلى سلوكيات بفرنسي تقول كومبارتمان ما عديل، منها استخدام المخدرات والضرب، ولا كمان دعارة وكلام الفارغ، ولا كمان تشرب من البيت، ولا كمان تسيب في الدراسة، يعني حل الدراسة كيف بس بسبب مجهول، وده يعني خسارة لنا كالأب، خسارة لنا كرجال الدين، خسارة لنا كرجال الدولة، ده شيء خسارة. L'alcoolisme et la drogue menacent dangereusement le milieu jeune. À Bol, tout comme dans d'autres localités de la province du lac, les stupéfiants constituent également une raison d'enrôlement des jeunes dans le rang de la secte Boko Haram. Ceux dans les zones insulaires qui s'engagent dans la secte Boko Haram inquiètent. Mais grâce à la sensibilisation, beaucoup ont pris conscience et ont abandonné le rang de la secte. Beaucoup se sont allés en aventure, soit par conviction, soit plus par la majorité. La plus grande majorité, c'est ils ont été forcés d'aller rejoindre les rangs de Boko Haram, de l'extrémisme. Donc l'ignorance est la cause principale de ce qu'on connaît maintenant dans la province du lac. Et nous sommes en train de faire des efforts en tant que communauté, chef de communauté, en tant que chef traditionnel, pour accompagner les efforts du gouvernement en matière d'éducation des jeunes d'une manière générale et surtout de la petite fille. Malheureusement, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ils ont été trompés par l'extrémisme violent, par la secte Boko Haram, et on les a entraînés dans cette aventure. Mais là encore, le gouvernement nous a demandé de sensibiliser les nôtres à ce qu'ils reviennent et ne pas faire du mal à leur communauté et à leur patrie. Et depuis lors, Dieu merci, nous avons sensibilisé à travers leurs parents, à travers tout ça, et beaucoup sont rentrés. Nous comptons à peu près entre 3000 à 4000 des ex Boko Haram, c'est-à-dire des repentis de Boko Haram qui sont venus. À Shabab, na, khali yishu le fikir, adderibana, lib, deribana, fawda, deribana, makhadirat, deribana, ma ihtiram al-ghir da, ma banfa, wala lehuma banfa, wala lil akharin banfa, ولا لحياه بنفو ولا لاخره بنفو فعشان ده نناشر الشباب اللي فاتان تربيه خليه يفكروا شيء الدرب اللي هم ماشيين ده ما ينفع ده بالنسبه للشباب وللاباء كمان في المرحله انا
انسان في العمر لما يوصل الى الطفل كان وصل في المرحلة 14 الى 18 سنة ده معاملته ما يكون طفل صغير. شاركة في امور البعنية عشان ده بس يجيب تمرد. يا ولدي تعال مشكلتك شنو؟ انت شنو؟ عشان يحس هو ذاتك الرجل هو ذاتك في المرحلة عشان يقدر يشيل قرار للنفسة. كثير من الأعباء والدين هم السبب لتشريد أولادهم في مرحلة شباب لأنهم من يعتبروا الطفل صغير لسه ما قادر يدير نفسه فحيحصل مشاكل أزمة. فالأزمة كان ممكن يخلها لكن بسبب اسمه شنو عدم القدرة ولا عدم المعرفة لإدارة الأزمات دي يؤدي إلى شنو مشاكل تانية ويجيب لنا مشاكل. إذا أعباء ذاته حل الأطفال في الصغار يربوا وفي الكبير كمان يشاورهم. Boko Haram au lac Tchad, Arrow de la jeunesse sur les fous d'Allah. C'est le titre d'un essai publié par un jeune dynamique de la province du lac. Agacé par l'enrôlement facile des jeunes dans la secte Boko Haram, Mamad Adou Mustapha, c'est son nom, a décidé d'attirer l'attention du monde sur la vulnérabilité des jeunes et des femmes, principale raison d'engagement de ces derniers dans la nébuleuse secte Boko Haram. Si aujourd'hui les jeunes sont enrôlés facilement et les femmes, c'est d'abord la vulnérabilité. Ces deux couches sociales sont dans la vulnérabilité la plus totale et les recruteurs verrés ne passent pas par les quatre chemins parce qu'ils sont bien informés de la situation. C'est depuis 5 ans que la nébuleuse secte Boko Haram a mis en mal la quiétude des populations. Malgré ses multiples défaites face à nos vaillantes forces de défense et de sécurité, la nébuleuse secte refaisait de temps en temps surface et faisait parler d'elle à travers ses macabres tueries. La dernière, c'est celle du 23 avril 2020 à Boma, une date où, disons-le, Boko Haram a signé son arrêt de mort en réveillant, comme dit un adage, les lions qui dorment. 2 semaines ont donc suffi à notre armée, sous la conduite de son chef suprême, le président de la République Idriss Déby Itno, de traquer et rayer de la carte du Tchad les nids de la secte Boko Haram. Cette secte est donc boutée hors du Tchad. Cependant, la vigilance restera toujours de mise, d'où cette invite du gouverneur à toute la population devrait davantage pour la consolidation de la paix. Nous disons que le mutama, كان هو بعيد وعنده صورة عكس الصورة اللي انتوا الاسا حيتشتوها لان الناس ما تفكر يعني اللاك تشاد دي يعني هي صورة يعني منطقة بتاع حروب بتاع قنابل. لا 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 بالعكس بالعكس في مواطنين عايشين ومستمرين زي ما الناس مستمرين في المناطق الاخرى بتاع تشاد. اللاك تشاد ذاته هي نفس المنطقة وفعلا في ناس متسللين كده من الحدود يعني مرات تسلل وتجي في مناطق شوية بعيدة من الجهازات الأمنية وبتتعدى على المساكين الأبرياء ويقتلوا في الأبرياء وأحيانا يشولوا مال الأبرياء. والله نقول لكل إنسان يعني مهما كانت صفة يعني نطلب من كنا المواطنين عشان يعني يراجع نفسهم. هو شيء انسان تراجع نفسك ونحن كدولة يعني نمد يدنا لأي زول نمد يدنا لأي زول عشان يجي يعيش كمواطن وسط أهله وسرته. هذا شيء مهم والدولة هي يعني صدرها وسيع جدا جدا ويجب من الإدارة الأهلية خلي تفهم الكلام ده وتتفكر من الصراع الداخلي يعني ما صالح لهم ولا صالح لمواطنينهم. ويجب الإدارة الأهلية تتعود مع الزمن لأن الزمن هو
يتغير، ولازم الانسان انت تتغير مع الزمن، انت ما تقول يعني انا كده وانا كده كده، لا، زمن انت شنو وهسه بقيت شنو، مع الناس خلت تشوف الوضع، تشاهد كان زمان شنو وحاليا بقيت شنو، والبروفنس هسه من تلاقى زمان كيف وهسه بقيت كيف، انت لازم الانسان يعني ما ديما تقعد زي الصوره، لا، انت لازم تتعود مع الزمن، الزمن يتغير انت تتغير مع الزمن. Nous n'avons pas manqué dans toutes nos sensibilisations de mettre l'accent sur les produits psychotropiques, tout ça, l'alcool, l'alcoolisme, les drogues. Nous avons dit qu'il ne faut pas consommer, éviter que les jeunes consomment la drogue. Là aussi, par rapport aux années précédentes, nous avons remarqué des résultats positifs. Donc beaucoup ont compris et ils sont en train d'abandonner cette consommation. Donc nous sommes dans toutes les occasions sociales, nous n'avons pas manqué de parler de l'éducation des jeunes, de la non-consommation de l'alcool ou bien des drogues, tout ça. Donc je crois que nous sommes conscients, nous sommes conscients et nous sommes, nous finirons par vaincre ces mots.